Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, chers membres du groupe Méditons ensemble. Bonjour, chers membres du groupe Prions ensemble. Moi, c'est Ridi Modiri. Je suis la facilitatrice de Prions ensemble. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble pour intercéder pour les sujets de prière que nous avons pour ce soir. Mais avant de commencer notre intercession, nous allons prendre une petite exhortation. Après, nous passerons à l'intercession. L'exhortation de ce soir a comme thème l'immensité de la provision de Dieu. L'immensité de la provision de Dieu. Et pour cela, nous allons lire 2 Rois, chapitre 4, du verset 1 jusqu'au verset 7. 2 Rois, 4, 1 à 7. Nous allons lire pour la gloire de Dieu. Ça sera ça notre premier texte. Une femme entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi. Qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle les quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, ils lui présentaient les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Nous allons nous arrêter là. Dans les textes que nous venons de lire, nous allons souligner deux phrases dans les textes que nous venons de lire. C'est l'histoire du prophète Élisée et la veuve. La Bible nous dit que la veuve avait des problèmes depuis la mort de son mari. Il y avait des créanciers parce que son mari a laissé des dettes. Et les créanciers voulaient prendre ses fils pour en faire des esclaves. Et la femme est allée voir le prophète Élisée pour présenter son problème. Et le prophète Élisée l'envoie chercher des vases. Et en envoyant la femme, je disais tout à l'heure que nous allons souligner deux phrases dans les versets que nous venons de lire. La première phrase que nous allons souligner sur les versets que nous venons de lire est au verset, sur le chapitre 4, au verset 3. Le verset 3 nous dit, et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Nous allons souligner juste la phrase, n'en demande pas un petit nombre. C'est ça la phrase que nous allons souligner. N'en demande pas un petit nombre. Pourquoi le prophète dit à la dame, à la femme, à la veuve,
n'en demande pas un petit nombre. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait juste dire à la femme, ne te limite pas. Le prophète a conscience de l'immensité de la réserve de Dieu. Dieu a une grande provision pour nous. Dieu, dans sa réserve, il a beaucoup de provisions. Sa provision est illimitée. Alors, le prophète en a conscience. C'est pour ça qu'il demande à la femme, ne te limite pas, n'en demande pas un petit nombre. Ne te dis pas, ah non, si je prends 10 vases, ça sera trop. Non, si je demande 3 vases, ça sera trop. Hein, on me donne juste, je vais prendre juste un peu. Peut-être que si je prends trop de vases, non, non, non. Le prophète veut dire à la femme, ne te limite pas. Ne sois pas limité. Demande beaucoup, n'en demande pas un petit nombre. C'est ce que le prophète veut expliquer à la femme. Car le prophète a conscience de l'immensité de la réserve de Dieu, de l'immensité de la provision de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, n'en demande pas un petit nombre. Ça, c'était notre première phrase à souligner. Et nous avons une deuxième phrase à souligner qui est toujours dans notre verset 4, mais cette fois-ci au chapitre 6. Quelle est la phrase que nous allons souligner sur ce chapitre? C'est la phrase qui dit, lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Et la phrase que nous allons souligner cette fois-ci, c'est « Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Il n'y a plus de vase et l'huile s'arrêta. C'est notre deuxième phrase que nous allons souligner ce soir. Il n'y a plus de vase et l'huile s'arrêta. Pourquoi nous allons souligner cette phrase? L'huile n'était pas arrêtée quand il y avait encore des vases. L'huile s'est arrêtée quand il n'y avait plus de vases. Il n'y a plus de vases et l'huile s'arrêta. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Malgré que Dieu a une grande provision pour nous, malgré que Dieu a tout dans sa réserve, ça dépend aussi de notre foi et de notre réceptibilité. Recevabilité, je vais dire. Nous devons être réceptibles, réceptibilité. Si nous n'avons pas la foi et nous ne sommes pas réceptibles, ou alors nous limitons Dieu en disant, telle chose, Dieu peut le faire, mais telle autre chose, non, 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 non. Ça, c'est trop. Dieu peut pas le faire. Ça, nous pouvons demander à Dieu. Mais telle chose, non, nous ne pouvons pas demander. Là, nous arrêtons et nous limitons Dieu. Nous sommes plus réceptibles. C'est comme s'il n'y a plus de vase. Nous nous attendons à rien de la part de Dieu. On s'attend à rien. On s'attend à rien du tout. Qu'est-ce qu'il peut encore faire? Voici ma situation. Là où c'est la situation est arrivée, non, 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 Dieu ne peut plus rien faire. Ah non, c'est aller trop loin. Qu'est-ce que Dieu peut encore faire? Nous nous attendons plus à rien de la part de Dieu. Nous sommes plus réceptibles. Dans ces cas-là, Dieu ne peut rien faire pour nous. Rappelez-vous, à chaque fois, Jésus disait, ta foi t'a guéri. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et quand Jésus est parti dans son village, il n'a pas fait trop de miracles. Pourquoi? Les gens n'étaient pas réceptibles. Quand on s'attend à rien de la part de Dieu, c'est difficile de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Mais quand nous sommes réceptifs ou nous sommes, je veux dire,
Nous nous attendons à recevoir quelque chose de la part de Dieu, sachant que Dieu a une immense réserve pour nous. Dieu n'est pas limité. Sa provision est illimitée. Nous pouvons tout lui demander sans nous limiter, comme le prophète a dit à la femme, n'en demande pas un petit nombre. Ne te limite pas. Et vous constaterez à la fin ici, au verset 6, quand les vases sont finis, l'huile s'arrête. L'huile ne s'est pas arrêtée avant. S'il y avait encore plus de vases, il y aurait encore plus d'huile. Quand il n'y a plus de vases, il n'y a plus d'huile. L'huile s'est arrêtée parce qu'il n'y avait plus de vases. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait plus d'huile là. Non, non, non. L'huile s'est arrêtée parce qu'il n'y avait plus de vases. Nous allons lire encore un petit texte qui est dans le livre de Jean, au chapitre 14, du verset 13 au verset 14. Jean 14, 13 à 14. Jean 14, 13 à 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que les pères soient glorifiés dans les fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Dans ce petit texte, nous allons souligner les tout. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Il ne dit pas telle chose vous pouvez demander, telle autre chose vous ne pouvez pas demander. Non. Ces versets, il n'y a pas de limite. On dit tout. Alors, tout sans exception, sans restriction, tout. Vous pouvez demander la santé, vous pouvez demander les mariages, vous pouvez demander les finances, vous pouvez demander le travail, vous pouvez demander la santé, vous pouvez demander, je ne sais pas, la foi, vous pouvez demander la guérison, vous pouvez demander un meilleur job, vous pouvez demander, je ne sais pas, tout, juste tout. Vous pouvez demander la vie éternelle, tout, tout, tout. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que les pères soient glorifiés dans les fils. Alors, que Dieu bénisse ta parole. Nous allons demander à Dieu, nous allons prier en gardant à l'esprit que nous pouvons tout demander et nous recevrons. Si nous avons la foi, nous sommes réceptibles, nous allons recevoir. Soyons comme ces vases vides qui attendent d'être remplis de l'huile. Si nous sommes comme des vases déjà remplis, il n'y aura pas de place pour de l'huile. Quand il n'y a pas de vase, il n'y a pas d'huile. Mettons ça à l'esprit, gardons ça à l'esprit. Quand il y a encore des vases, tant qu'il y a encore des vases, l'huile continuera à couler. Donc, restons comme des vases vides pour que l'huile nous remplisse. Nous allons tout demander. Tout ce que nous avons à faire, c'est avoir la foi et demander à Dieu, et il les fera comme il l'a dit dans ces versets de Jean, chapitre 14, verset 13 à verset 14, jusqu'au verset 14, ce que nous venons de lire. Nous allons tout demander à Dieu. Nous allons commencer notre prière. Prions. Nous allons commencer par prier pour les activités spirituelles. Aujourd'hui, on est samedi, demain, c'est dimanche.
Il y a des cultes, il y a des séminaires, il y a des croisades, il y a plein d'activités spirituelles qui se déroulent des dimanches. Nous allons abandonner tout ceci entre les mains des dieux. Éternel Dieu, notre Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi te dire merci pour ces moments. Merci pour ta parole. Merci pour l'exhortation. Merci car tu nous demandes de te demander tout, sans exception. Merci car tu entends et exauces nos prières. Merci car tu es bon pour nous. Père, nous venons devant toi avec toutes les activités spirituelles qui se dérouleront ce soir et demain dimanche entre tes mains. Les cultes de dimanche, nous venons avec entre tes mains parce que c'est toi qui as institué à ce que nous puissions nous rassembler dans nos assemblées pour te louer, te glorifier. Raison pour laquelle nous venons devant toi, ô Seigneur, te prier pour tous les cultes, partout à travers le monde. Nous prions pour les cultes du dimanche. Nous prions pour les cultes de ce samedi soir. Ô Seigneur, bénis les orateurs. Ô, inspire tous ceux qui vont prêcher demain. Seigneur, les chantres entre tes saintes mains. Leur voix entre les saintes mains. Ô Seigneur, les instruments de musique qu'ils vont jouer, les musiciens entre tes saintes mains. Nous abandonnons les intercesseurs qui sont en train de prier pour les cultes de demain aussi entre tes saintes mains. Tous ceux qui vont intervenir, Seigneur, tous ceux qui vont témoigner, tous ceux qui vont avoir un rôle, Seigneur, dans les cultes de demain, quelle que soit l'église entre tes saintes mains, Seigneur. Nous abandonnons les cultes entre tes saintes mains, les séminaires entre tes saintes mains, les croisades entre tes saintes mains, Seigneur, les écodimes entre tes saintes mains, tous ceux qui vont intervenir entre tes saintes mains. Ô Père éternel, inspire, inspire, Seigneur, par ton esprit. Remplis ton esprit, Seigneur. Remplis tous ceux qui vont intervenir par ton esprit, Seigneur. Nous voulons être remplis de ton esprit. Seigneur, tous ceux qui vont conduire ton peuple, qu'ils ne conduisent pas ton peuple vers la perdition, mais qu'ils conduisent ton peuple vers toi. Nous abandonnons tout entre tes saintes mains. Sois loué, sois glorifié. Sois loué, sois glorifié au siècle des siècles. Ô Seigneur, nous te louons, nous te glorifions, car tu es digne de recevoir la louange, l'adoration. Ô Seigneur, sois loué, sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Après avoir prié pour les cultes de demain, les activités spirituelles, nous allons en profiter pour prier pour les croisades évangéliques qui se tiendra en Dili et à Kikwit, qui sera dirigée par l'apôtre Bob. Nous allons prier pour cette campagne évangélique entre les mains de Dieu. Nous allons tout laisser entre les mains de Dieu. L'organisation, tout ce qu'ils ont commandé pour la campagne évangélique soit arrivé à temps. Tous ceux qui vont installer les matériels là-bas, l'apôtre Bob aussi entre les mains de notre Dieu. Prions. Éternel Dieu, nous venons devant toi avec la croisade évangélique qui se tiendra au Congo, en République démocratique du Congo, à Saint-Étienne et à Kikwit. Nous abandonnons tout entre tes saintes mains. Seigneur, c'est toi qui as inspiré ton serviteur pour organiser tout ceci. Nous venons avec ça parce que les diables n'aiment pas qu'on dépouille son camp. Les diables n'aiment pas qu'on prêche l'évangile. Les diables n'aiment pas que ceux qui n'ont jamais écouté la parole de Dieu puissent avoir accès à la parole.
Les diables n'aiment pas la délivrance des captifs. C'est pour cela, Seigneur, nous venons avec ces programmes entre tes saintes mains. Seigneur, nous savons que tu vas utiliser ton serviteur puissamment pour ces deux dates, Seigneur. C'est pour cela que nous venons avec ton serviteur entre tes saintes mains. Nous l'abandonnons entièrement entre tes mains, Seigneur. Oh, soutiens-le. C'est toi qui l'as envoyé. C'est toi qui l'envoie en mission. Alors, Seigneur, quand toi tu donnes une mission, tu donnes aussi la provision. Car tu en as illimité, Seigneur, dans ta réserve. Oh, Seigneur, viens et tends ta main sur lui, Seigneur. Approvisionne-les, Seigneur. Tu donnes la mission, tu donnes la provision, Seigneur. Nous l'abandonnons entre tes saintes mains. Nous abandonnons toute l'organisation entre tes saintes mains. Que tous ceux qui sont membres du comité qui organise tout ça, nous les abandonnons entre tes saintes mains. Seigneur, nous abandonnons ces deux dates entre tes saintes mains. Ô Père éternel, agis, Papa, agis. Tous les colis, Seigneur, qui vont aller jusqu'à Kinshasa pour être installés, nous l'abandonnons entre tes saintes mains. Laisse que tout ceci arrive à temps et à heure pour que ça soit installé en temps et en heure. Seigneur, nous laissons les chantres entre tes mains. Nous laissons ceux qui vont prêcher entre tes mains, ceux qui vont officier entre tes mains, ceux qui vont faire la modération entre tes mains. Nous laissons toute l'équipe entre tes mains, Seigneur. Oh, étends ta main, Seigneur. Agis. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Oh, c'est pour ta gloire que tout ceci a été organisé. Seigneur, c'est pour ta gloire, c'est pour gagner les âmes vers toi, Seigneur. Oh, nous savons que le diable n'est pas content. Seigneur, c'est pour cela, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous lions tout ce qui se ligue contre cette activité. Au nom de Jésus, nous les renvoyons dans les lieux arides. Seigneur, étends ta main puissante. Oh, sécurise tout. Oh, Seigneur. Oh, inspire, remplis ton serviteur de ton esprit, afin qu'il puisse parler de ta part. Oh Seigneur, nous laissons cette activité en particulier entre tes saintes mains. Seigneur, que la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom de Jésus. Amen. À présent, nous allons prier pour tous les serviteurs de Dieu, pour nos églises, pour les serviteurs de Dieu qui nous encadrent. Ils sont exposés à des combats parce qu'ils encadrent les peuples de Dieu. Nous allons prier pour nos pasteurs. Nous allons les abandonner entre les mains de Dieu, nos évangélistes, nos pasteurs, nos apôtres, je ne sais pas, nos docteurs. Prions pour les hommes de Dieu. Éternel, notre Dieu, nous venons devant toi avec tes oints, avec tout ce que tu t'es choisi dans ton champ pour paître ton troupeau, Seigneur. Nous venons avec entre tes mains. Seigneur, tu sais, les combats sont nombreux autour d'eux parce que tu les as choisis. C'est pour ça que nous venons avec eux entre tes saints. Seigneur, protège-les avec leur famille. Pourvois à leurs besoins, car s'ils manquent de tout, ils ne pourront pas paître correctement tes brebis. C'est pour ça que nous venons avec tous les serviteurs et servantes de Dieu entre tes mains. Seigneur, les apôtres, Seigneur, les pasteurs, Seigneur, les évangélistes, Seigneur, tous ceux qui œuvrent dans ton champ, Seigneur. Tout ce qui paie ton peuple, Seigneur, nous venons avec eux entre tes mains. Seigneur, que ta main puissante puisse les sécuriser, les garder. Oh, que ton esprit les remplisse. Seigneur, mets-les encore à part pour ton œuvre, Seigneur. Mets-les encore à part pour te servir, Seigneur. Fais de leurs combats tes combats, Papa. Pourvois à leurs besoins. Qu'il ne manque rien dans leur maison, Seigneur. Nous abandonnons leurs femmes, leurs maris, leurs enfants entre tes saintes mains, leurs familles entre tes saintes mains.
Seigneur, pour que tes servantes et tes serviteurs aient la tête calme, l'esprit calme, il faut que leur famille se porte bien. C'est pour ça que nous venons avec les membres de leur famille entre tes saints. Seigneur, étends ta main. Écoute leurs prières. Seigneur, protège et garde tes serviteurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Après avoir prié pour l'Église, pour les servantes et les serviteurs de Dieu, nous allons prier pour la veillée des prières, des méditons ensemble qui se déroulera le 29. Nous allons prier pour cette veillée des prières, laisser tout entre les mains de Dieu. Prions. Seigneur Dieu, éternel notre Père, nous venons avec les veillées qui se tiendra le 29, la veillée qui se tiendra le 29 entre tes saintes mains. Nous gardons cette journée en pensée et nous la menons devant toi, Seigneur. Nous gardons cette nuit en prière, Seigneur, parce que nous savons que tu vas faire des grandes choses. Nous venons avec l'organisation de la veillée entre tes saintes. Seigneur, tu sais qu'est-ce qu'il faut pour cette veillée. Nous venons avec tous ceux qui vont intervenir ce soir-là entre tes saintes mains. Tous ceux qui vont y participer entre tes saintes mains. Ô Seigneur, que ton esprit guide tout. Que ton esprit conduise tout. Que ton esprit nous remplisse afin que cette journée et cette soirée soient couronnées de succès. Afin qu'il y ait des grandes choses qui se produisent cette nuit-là. Seigneur, sans ton esprit, nous ne pouvons rien. Sans ton esprit, nous ne savons pas prier. C'est pour ça que nous avons besoin de ton esprit pour cette soirée de prière entre tes saintes mains. Nous venons tout abandonner entre tes mains, Seigneur, l'organisation entre tes mains, les intervenants entre tes mains, les participants entre tes mains. Seigneur, étends ta main. Étends ta main. Seigneur, nous ne voulons pas organiser par nous-mêmes. Nous ne voulons pas veiller par nous-mêmes. C'est pour ça que nous venons avec tout entre tes saintes mains. Seigneur, agis. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons prier aussi pour la servante de Dieu, Maman Nathalie, qui est en mission. Nous allons l'abandonner entre les mains du Seigneur. Prions. Seigneur, nous venons avec les pasteurs Nathalie entre tes saintes mains. C'est toi qui l'as envoyée en mission. Équipe-la, Seigneur. Protège-la où qu'elle soit. Seigneur, sois son avant-arrière-garde, Seigneur. Protège-la. Garde-la où elle est, Seigneur. Inspire-la, Seigneur. Laisse que tu la remplisses de ton esprit, Seigneur, afin qu'elle puisse bien accomplir la mission que tu lui as envoyée. Nous abandonnons son séjour là où elle est entre tes saintes. Sois avec elle. Accompagne-la partout où elle ira, Seigneur. Guide ses pas, Seigneur. Entraîne sa langue, Seigneur. Et garde son cœur pur devant toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons maintenant prier pour ceux qui sont actuellement en train d'écrire les lecteurs de la Bible pour l'année prochaine. Que Dieu les inspire. Et en même temps, nous allons aussi prier pour l'opération soutenant les lecteurs. Prions. Éternel Dieu, nous venons devant toi pour abandonner tous ceux qui sont en train d'œuvrer pour écrire
les lectures de la Bible pour l'année prochaine. Nous les abandonnons entre tes saints. Inspire-les comme tu l'as toujours fait, Seigneur. Inspire chaque mot qu'ils vont mettre dans ces lectures, Seigneur. Inspire tous les versets qu'ils vont mettre dans ces lectures, Seigneur, pour l'édification de ton peuple, pour la repentance d'un grand nombre, Seigneur. Nous les abandonnons entre tes saintes mains. Nous abandonnons aussi l'opération, nous soutenons les lecteurs entre tes saintes mains. Cette récolte que le groupe est en train de faire pour soutenir les lecteurs de la Bible, nous l'abandonnons entre tes saintes mains. Cette récolte touche à sa fin, Seigneur. Laisse que tu puisses toucher les cœurs afin que ton peuple puisse contribuer pour soutenir les lecteurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer maintenant à la prière pour la paix dans le monde. Vous savez, les élections se préparent un peu partout dans le monde et il y a des guerres partout dans le monde. Les peuples souffrent par les décisions que prennent les dirigeants. C'est pour ça que nous allons abandonner entre les mains de Dieu nos pays. Chacun va prier pour les pays où il vit et les pays d'où il vient. Nous allons prier pour la paix. Nous allons prier aussi pour les élections. Prions Dieu. Seigneur, nous te prions pour la paix dans le monde. Seigneur, il y a des guerres partout. Les gens s'entretuent, Seigneur. Ce n'est pas dans ta volonté, Papa. C'est pour ça que nous venons devant toi, ô Père éternel. C'est demander la paix. C'est toi qui donnes la paix comme le monde ne peut la donner, Seigneur. Nous t'implorons pour la paix. Père éternel, je t'implore pour la République démocratique du Congo. Je t'implore pour la France, Seigneur. Nous voulons la paix, Seigneur. Partout où s'organisent les élections, Seigneur, nous abandonnons tous ces pays entre tes mains. Nous voulons la paix, que cesse le bruit des armes, Seigneur, et que ta paix règne, Seigneur. Donne-nous la paix, comme le monde ne peut la donner. Donne-nous la paix partout où il a la guerre, Seigneur. Nous implorons ta paix, Seigneur. Laisse que ton esprit de paix règne. Seigneur, nous t'abandonnons tous les dirigeants de nos pays, Seigneur. Ceux qui prennent des décisions, Seigneur. Entre tes mains, Papa. Guide-les, Seigneur. Parle à leur cœur. Toi qui convainc même les cœurs de rois, Seigneur. Même les cœurs incrédules, toi, tu peux les convaincre. Parle à leur cœur. Parle à leur cœur, afin que les armes se taisent, Seigneur. Nous abandonnons tous les pays qui sont en guerre entre tes saints. Toutes les populations qui sont en train de se déplacer pour les guerres entre tes saints. Seigneur, nous voulons la paix et nous te les demandons par ta grâce et ta miséricorde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons à présent prier pour les malades. Nous allons demander la guérison à Dieu, car il est le Dieu qui guérit. Nous allons venir devant sa présence avec les malades. Si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui est malade, vous pouvez le citer par son nom et demander la guérison à Dieu, car il peut tout, il guérit toutes les maladies. Il n'y a aucun malade qu'on a ramené à Jésus-Christ qui est retourné chez lui avec sa maladie. Alors, nous allons demander la guérison pour nos proches, pour nos amis, pour nos parents, pour nos enfants,
nous allons prier et demander la guérison à Dieu. Prions. Éternel Dieu, nous venons avec tous ceux qui sont malades entre tes saints. Et tends ta main de guérison, car tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Au-dessus de tout nom, tu es là. Au-dessus de toute maladie, tu es là, Seigneur. Tu es au-dessus de tout. Ton nom est grand. Toutes les maladies obéissent à ton nom. C'est pour ça que nous venons avec tous les malades qui sont autour de nous, entre tes saintes mains. Oh, guéris-nous qui sommes malades, Seigneur. Guéris-nous. Guéris nos enfants. Guéris nos familles, Seigneur. Étends ta main de guérison. Nous nous attendons à la guérison, Seigneur, car nous savons que tu peux tout. Guéris-nous, Seigneur. Même pour les maladies que nous ne connaissons pas les noms, toi, tu connais les noms. C'est toi qui as créé l'être humain, Seigneur. C'est toi qui as toutes les pièces de rechange, Seigneur. Nous avons des pièces de rechange dans ta main, Seigneur. Tu détiens toutes les pièces de rechange de l'être humain entre tes mains. Si le cœur est malade, toi, tu peux guérir le cœur. Si le pied est malade, tu peux guérir les pieds. Si c'est le dos, si c'est la colonne vertébrale, si c'est la tête, si c'est les neurones, si c'est... Tu peux tout guérir, Seigneur. C'est pour ça que nous venons devant toi. Étends ta main de guérison. Guéris les malades, Seigneur. Nous te prions pour tous nos proches qui sont malades. Étends ta main de guérison. Guéris-nous. Guéris nos proches. Guéris nos familles. Guéris nos vies. Guéris-nous, Seigneur. Nous implorons ta miséricorde. Nous savons que tu es le Dieu miséricordieux. Ô Seigneur, c'est pour ça que nous venons devant toi. Nous savons que tu peux guérir toutes les maladies. Tu veux nous guérir. Tu veux que nous puissions te les demander. C'est pour ça que nous te demandons, Seigneur, de nous guérir. Étends ta main. Étends ta main puissante. Et guéris-nous, Papa. Nous t'implorons. Nous implorons ta guérison, Seigneur. Guéris-nous, Papa. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Nous allons prier à présent pour les femmes enceintes. Nous allons prier pour les bébés qui sont dans leur ventre. Nous allons prier pour ceux qui sont en train d'accoucher en ce moment et ceux qui sont encore enceintes. Nous allons prier et laisser les femmes enceintes entre les mains de Dieu. Prions. Éternel Dieu, nous venons devant toi. Priez pour les femmes enceintes. Les femmes qui vont donner la vie, Seigneur. Seigneur, nous venons avec toutes les femmes enceintes entre tes saints. Les bébés qu'elles portent entre tes saintes mains. Seigneur, étends ta main. Nous refusons les fausses couches au nom de Jésus-Christ. Nous refusons des avortements au nom de Jésus-Christ. Seigneur, touche toutes les femmes qui sont parmi nous, qui sont enceintes, Seigneur. Le développement de l'enfant in utero entre tes saintes mains. Protège les bébés qui sont dans les ventres. Seigneur, les femmes qui sont dans les salles d'accouchement en ce moment-ci, nous les abandonnons entre tes saintes mains. Aucun d'elles ne laissera sa vie en donnant la vie au nom de Jésus-Christ. Nous refusons la mort pendant l'accouchement au nom de Jésus-Christ. Nous refusons des hémorragies pendant l'accouchement au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous refusons tout esprit qui vient pour arracher la vie in utero au nom de Jésus-Christ. Seigneur, protège les femmes enceintes. Leur santé entre tes saintes mains. Les enfants qu'elles portent entre tes saintes mains, Seigneur. Nous te les présentons, Seigneur.
garde, protège et bénit. Nous savons que l'enfant dans le ventre est une bénédiction et un mystère, Seigneur. Et toi seul qui détiens les secrets. Nous abandonnons toutes ces femmes entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Nous te demandons aussi, Papa, de penser aux femmes qui sont en train de pleurer maintenant en te demandant les enfants, Seigneur. Les femmes qui n'ont pas d'enfants, Seigneur. Nous venons avec ces femmes entre tes mains. Seigneur, c'est toi qui donnes les enfants. Donne les enfants au foyer qui en manque, Papa. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. À présent, nous allons passer à la prière pour tous ceux qui sont en voyage, tous ceux qui sont en train de voyager en ce moment. En même temps, nous allons prier aussi pour les vacances qui arrivent bientôt. Nos enfants vont aller en vacances, l'école finit bientôt là. Nous allons abandonner les moments des vacances entre les saintes mains de Dieu pour que les vacances se déroulent bien. Nous allons abandonner ceux qui vont voyager aussi entre les saintes mains de Dieu. Prions. Éternel Dieu, nous venons avec tous ceux qui sont en train de voyager entre tes saintes mains. Papa, c'est toi qui as dit que tu garderas l'aller comme les retours. Nous abandonnons tous ceux qui sont en train de voyager entre tes saintes mains. Éloigne les esprits d'accident au nom de Jésus-Christ. Seigneur, protège tous ceux qui sont en voyage. Nous abandonnons aussi les vacanciers entre tes saintes mains. Que les vacances se déroulent bien, que tous les enfants qui vont aller se reposer pour les vacances, nous les abandonnons entre tes mains, les salariés qui vont aller se reposer un peu entre tes saintes mains, tous ceux qui vont voyager pour aller passer leurs vacances ailleurs, que ta main puissante puisse être sur tout le monde. Protège les vacanciers, protège les voyageurs, que tout se passe bien pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Après avoir prié pour les vacanciers et pour les voyageurs, nous allons prier pour les mariages. Vous savez, les samedis, beaucoup célèbrent leurs unions. Beaucoup officialisent leurs unions à la mairie, à l'église. Il y a beaucoup qui bénissent leur mariage aussi les samedis. Alors, nous allons prier pour ceux qui sont en train de s'unir aujourd'hui entre les mains de Dieu. Et nous allons aussi prier pour les mariages existants déjà entre les mains de Dieu. Que le Seigneur consolide les couples. Nous allons prier pour les couples qui sont aussi séparés en demandant à Dieu de faire sa volonté, que sa volonté est que les couples restent unis et soudés. Nous allons prier. Éternel Dieu, notre Père, nous te prions pour ceux qui sont en train de s'unir en ce moment entre tes saintes mains. Seigneur, il y en a beaucoup qui sont aujourd'hui devant l'autel pour bénir leur mariage, devant la mairie, pour officialiser leur union, devant les parents, pour honorer les mariages en famille, nous venons avec toutes ces cérémonies entre tes saintes mains. Seigneur, les cérémonies des mariages sont l'occasion que les diables n'aiment pas. Les diables viennent fourrer son nez les jours des cérémonies des mariages.
C'est pour ça que nous venons avec tous ceux qui sont en train de faire leur cérémonie ce samedi entre tes mains, Seigneur. Étends ta main, sécurise tout, l'organisation entre tes saintes mains, sécurise toute l'organisation, sécurise tous ceux qui vont intervenir. Nous amenons tout ce monde entre tes saintes mains. Tous les couples qui sont en train de se marier en ce moment entre tes saintes mains. Seigneur, nous n'oublions pas les couples qui se sont déjà mariés. Seigneur, consolide les unions. Consolide les couples qui sont déjà mariés. Seigneur, donne la paix dans les foyers. Consolide les couples unis. Que les couples soient unis et que les couples regardent vers toi, Seigneur. Ô Père éternel, nous venons aussi avec les couples qui sont séparés entre tes mains. Dans ta volonté, tu veux que les mariages restent unis et que les couples restent ensemble. Seigneur, le diable a un autre plan. Il veut que les couples se séparent. Il veut que les couples vivent chacun de leur côté. C'est pour ça, Seigneur, nous venons avec les couples qui sont séparés entre tes mains. Seigneur, unis encore les couples qui sont séparés. Donne la paix, Seigneur. Enlève l'incompréhension, Seigneur. Au nom de Jésus, nous nous opposons au nom puissant de Jésus contre tout esprit qui vient pour séparer les couples qui sont déjà mariés. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, nous chassons, nous lions et nous vous envoyons dans les lieux arides tout esprit qui vient avec les désordres dans les couples. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, laisse que seule et seule ta volonté soit faite dans des foyers, dans des mariages, dans les couples. Laisse que seule ta volonté s'accomplisse, Seigneur. Nous nous abandonnons entièrement à toi. Au nom de Jésus. Amen. Après avoir prié pour les couples, nous allons à présent prier pour nos familles. Que la paix règne dans nos familles. Que Dieu nous unisse. Que nous restions soudés dans nos familles. Que Dieu pourvoie aux besoins de nos familles. Chacun de nous connaît les problèmes qu'il y a dans sa famille. Je ne peux pas citer les problèmes de toutes les familles. Nous-mêmes, là où nous sommes, nous savons ce qu'il y a comme problème dans notre famille. Raison pour laquelle nous allons prier pour nos familles en citant tous les problèmes que nous avons dans nos familles et en venant avec, en les abandonnant sous la croix de Golgotha. Prions. Éternel Dieu, nous venons avec nos familles entre tes saints. Seigneur, que règne la paix dans nos familles. Pourvois aux besoins de nos familles, Seigneur. Seigneur, donne-nous d'être soudés, d'être unis. Enlève la jalousie. Enlève tout ce qui n'est pas de toi dans nos familles, Seigneur. Que règne ta paix dans nos familles, Papa. Enlève la maladie, que tous ceux qui sont malades dans nos familles, nous les abandonnons entre tes saintes. Que tous ceux qui sont au chômage, nous les abandonnons entre tes saintes. Que tous ceux qui cherchent des enfants, nous les abandonnons entre tes saintes. Que tous ceux qui cherchent les mariages dans nos familles, nous les abandonnons entre tes saintes. Seigneur, nous venons avec nos familles entre tes mains. Oh, étends ta main. Tu connais les problèmes de nos familles. Tu connais les problèmes de chacun, de chacune de nos familles, Seigneur. Tous ceux qui sont dans cette plateforme, Seigneur. Tu connais nos problèmes. Tu connais les problèmes qui dérangent nos familles. Tu connais les soucis de nos familles. Tu connais les liens de nos familles. Seigneur, nous venons devant toi. Au nom de Jésus.
Que la malédiction quitte nos familles au nom de Jésus. Que les mauvais sorts quittent nos familles au nom de Jésus. Nous éloignons de nos familles la jalousie au nom de Jésus. Nous éloignons la malédiction générationnelle dans nos familles au nom de Jésus. Nous annulons les ordonnances que nos ancêtres ont prises au nom de la famille, au nom de Jésus. Que les ordonnances machiavéliques qui ont vendu nos familles soient annulées en ce moment même au nom de Jésus. Nous annulons toutes les paroles mauvaises, négatives qui ont été prononcées à l'encontre de nos familles au nom de Jésus-Christ. Nous annulons tout au nom de Jésus-Christ. Nous refusons la malédiction. Nous refusons les mauvais sorts. Que tous ceux qui sont allés faire des pactes en sacrifiant les membres de leur famille, en sacrifiant les noms de leur famille, au nom de Jésus, nous annulons tout, nous renversons tout, au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, règne maître dans nos familles. Règne à maître dans nos familles. Que seule ta volonté s'accomplisse dans nos familles. Ô Seigneur, viens. Que seule ta volonté soit faite dans nos familles. Viens régner. Viens guider les familles. Viens souder les familles. Viens unir les familles qui sont disloquées au nom de Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton esprit. Oh, que ton esprit descende et que ton esprit guide nos familles. Que ton esprit guide nos familles. Oh, Seigneur. Oh, descends. Descends, Seigneur. Étends ta main sur nos familles. Étends ta main sur nos familles. Tu connais les besoins de chacun de nos frères, de nos sœurs dans notre famille, Seigneur. Oh, étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Pourvois, réponds à nos prières. Quand nous prions, Seigneur, nous savons que tu entends et que tu réponds à nos prières. Nous avons besoin de toi dans nos familles. Nous avons besoin que tu règnes à maître. Nous avons besoin que tu nous diriges. Nous avons besoin que tu nous bénisses. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Papa, dans nos familles. Oh Seigneur, viens. Viens, viens faire ta loi dans nos familles. Que les diables ne fassent pas sa loi dans nos familles. Oh, que les mauvais sorts, que les malédictions générationnelles ne fassent pas sa loi dans nos familles. Oh, qu'ils ne viennent pas faire leur loi dans nos familles. Que les esprits mauvais, les esprits ancestraux ne viennent pas faire la loi dans nos familles, Seigneur. Au nom de Jésus. Oh Seigneur. Au nom de Jésus, que tous ceux qui ne te connaissent pas dans nos familles, que tous ceux qui ne te suivent pas dans nos familles, ô Seigneur, c'est toi qui dis que personne ne peut venir à toi si toi tu ne l'appelles pas. C'est pour ça que nous venons avec tous ceux qui ne te connaissent pas encore dans nos familles. Appelle-le par leur nom. Appelle-le par leur nom. Oh, rapproche-les de toi, ô Seigneur, qu'ils te connaissent et qu'ils te servent, Seigneur. Oh Seigneur, qu'ils se convertissent, qu'ils laissent leur voie mauvaise, Seigneur, pour te suivre. Que tous ceux qui sont loin de toi rapprochent les cœurs de toi. Rapproche tous les cœurs qui sont éloignés de toi dans nos familles, Seigneur. Rapproche, rapproche, Seigneur, les cœurs qui se sont éloignés de toi. Rapproche, Seigneur, rapproche, Seigneur, que tous ceux qui veulent les mariages, que tous ceux qui veulent des enfants, que tous ceux qui veulent des promotions dans nos familles, nous savons que tu peux tout. Tu as tout dans ta provision. Ta provision est immense, Seigneur. Oh, c'est pour ça que nous venons te demander à ce que tu pourvoies aux besoins de nos familles selon ta richesse, Seigneur, et selon ta volonté. Dans le nom de Jésus, nous te disons merci. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. À présent, nous allons rendre gloire et louange à notre Dieu parce que c'est lui qui a été avec nous depuis le début de cette intercession. Nous touchons à la fin. Nous allons lui dire merci, les louer, les glorifier.
parce qu'il a été avec nous du début à la fin. Prions. Éternel Dieu, nous venons devant toi te dire merci. Merci car tu entends nos prières et tu réponds à nos prières. Merci parce que nous sommes convaincus. Nous savons que tu nous as entendus et que tu nous as exaucés. Sois loué, sois glorifié, Papa. Que la gloire te soit rendue. Nous te louons, nous te glorifions. Nous élevons encore ton nom plus haut, car tu es notre Dieu, car tu es avec nous, car tu vis au-dedans de nous, tu connais nos besoins. Merci Seigneur, sois loué, sois glorifié, Papa. Nous ne pouvons que glorifier ton saint nom, toi l'alpha et l'oméga. Tu as été avec nous depuis le commencement de cette séance d'intercession. Et tu viens d'arriver avec nous jusqu'à la fin. Tu es Emmanuel, tu as été parmi nous tout au long. Sois loué, sois glorifié. Sois élevé, Seigneur. Tu es bon, tu es merveilleux, tu es grand, tu es amour, tu es miséricordieux, tu es bon, Papa. Sois loué, sois glorifié. Nous ne pouvons que te louer car tu es digne de recevoir la louange, l'honneur, l'adoration. Nous ne pouvons que te glorifier. Nous ne pouvons que te remercier. Oh, pour la vie, pour la santé, pour les prières que tu as exaucées. Nous ne pouvons que te remercier, te louer, te dire, oh Seigneur, tu es bon. Nul n'est comme toi. Tu es merveilleux. Nul n'est comparable à toi. Oh Seigneur, tu peux tout. Tu fais tout. Oh, tu vois tout. C'est toi l'omniprésent. C'est toi l'omniscient. Nous ne t'apprenons rien, Seigneur. Avant que nous ouvrions nos bouches, tu savais déjà ce que nous allions dire, Seigneur. Oh, sois loué, sois glorifié. Seigneur, merci. Car tu vois tout. Tu peux tout. Tu fais tout, Seigneur. Oh, quand toi, tu étends ta main, personne ne peut t'arrêter, Seigneur. Tu dis une chose et la chose s'accomplit, Seigneur. Tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Sois loué, sois glorifié. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Merci à vous tous. Merci à tout le monde qui nous a suivis depuis le début. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous protège. Merci beaucoup. Amen.